Als investigative Organisation weiß Public Eye, dass man mit der Aufdeckung verborgener Fakten die Welt verändern kann. Zu unserem 50. Geburtstag wollen wir deshalb zusammen mit dir wichtige neue Recherchen ermöglichen. Recherchen, die Licht in dunkle Geschäfte bringen, die Schweizer Unternehmen in armen Ländern machen und die den Opfern solcher Machenschaften eine Stimme und ein Gesicht geben. Aidez-nous à récolter 15.000 francs pour que Marie Maurice puisse dévoiler les secrets d'une industrie qui tue chaque année plus de 6 millions de personnes. Si nous atteignons cet objectif, nous voulons encore récolter 15.000 francs pour que Nicolas et Guy puissent plonger dans les eaux troubles qui mènent de Genève au cimetière de Bateau. Regardez. Chaque année, 28 milliards de cigarettes sont fabriquées en Suisse. Une grande partie d'entre elles sont destinées à l'exportation vers des pays en développement, notamment vers l'Afrique. C'est une situation qu'on ignore, mais la Suisse exporte plus de cigarettes que de fromage en valeur. Pourquoi le tabac suisse est-il aussi prisé à l'étranger? Quelle est la méthode secrète des multinationales du tabac pour séduire des publics de jeunes dans les pays d'Afrique? Autant de questions dont les réponses sont difficiles à obtenir. Pour enquêter sur ce sujet, j'aurais besoin de votre soutien. Merci d'avance. Okay, I'm a Belgian, and this is what amazes me, that Switzerland has major shipping companies, and that for a country that doesn't even have an ocean. Well, what is shameful is that these shipping companies are actually involved in shipbreaking, which is a major problem. I mean, every year, hundreds of ships which contain hazardous waste in their structures are broken down by hand on the shores of Bangladesh, India, and Pakistan, endangering humans and the environment. Although safer and cleaner methods, ship recycling methods, exist today, big shipping companies continue to externalize the cost to vulnerable communities and the environment. The thing is that little is known about how this functions. So we need to investigate further and see which are the companies that are involved in the ship breaking. How do they do that? Where do they bring their ships? Who is paying the price? And what profits are made out of this hazardous and toxic approach of the shipping companies? We do the investigation together, and we are counting on you to help us fund it. Par votre contribution, vous pouvez rendre possible ces enquêtes. Merci de votre soutien.